énormément avec l'association Isomix. C'est arrivé comme ça. On s'est dit, on va essayer de limiter les déchets. Et donc, on a trouvé cette solution de gobelet. L'idée était de n'avoir aucun gobelet en plastique pendant l'événement en entier, pendant les 3 jours. Et donc, chacun garde son gobelet tout le temps. Voilà. Et puis qu'il le ramène après aussi, forcément, en souvenir. Ce sont des gobelets, ce sont des répliques de sigillés du 1er siècle après Jésus-Christ qui ont été fabriqués selon la technique gallo-romaine. Et donc l'auteur des gobelets, c'est Arnaud Trullen, un potier de Lezoux qui fait vraiment de la sigillée à la manière antique. Après aussi pour tout ce qui est vaisselle, on s'est fait prêter de la vaisselle, donc il n'y a pas 2 assiettes pareilles ni 2 couverts pareils qui est lavé pendant les 3 jours. Donc il n'y a vraiment aucune vaisselle jetable au musée. Ce qui marche assez bien, je crois qu'on a eu 2 gobelets cassés sur l'ensemble des gobelets donnés, c'est un bon résultat.